Voilà mon nouveau fond de teint que je vais tester aujourd'hui. Donc, Make Up Forever. À ce qui paraît, c'est waterproof, si ça se dit comme ça. Voilà. Ça coûte 40 patates, 40 euros. C'est pas donné, hein, mais je voulais le tester puisque j'ai fait un challenge bête. J'ai mis un commentaire sur la chaîne de Sanana en disant, si à ma tête, je fais une copie-coller de sa vidéo, tu parles. Ben, ça existe pour ma peau. Donc, je vais commencer. Ça coûte 40 euros. Ça coûte 40 euros et j'ai moins 25%. J'ai payé 30 euros. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vois. Là, je filme sans lunettes. Et je me regarde dans mon téléphone. Et si je vous dis que je vois rien, c'est que je vois rien. Enfin, je vois mon visage, je vois que je fasse le je vois que je passe le fond de teint. Mais je ne sais pas le résultat. Donc, je vais passer la journée à Rennes et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais essayer de me regarder en face, dans le miroir qui est en face. Ça va éviter que je fasse n'importe quoi. Donc, vous me dites si ce fond de teint me va ou pas. Ou non, ok, tu me dis, eh ouais, eh ouais. Pourquoi les gens disent qu'on est toujours taré? Vous savez, la vie, c'est pas être en mode je fais la tronche. Et pourtant, je suis la reine des boudeuses. Hein, tu me fais quelque chose, oula, oula, oula. Je rigole pas. Je suis gentille, mais il faut pas trop me chercher. Hein. Oh my god. Bon, est-ce que c'est bien passé ou pas? Voilà. J'ai fait un maquillage en mode one again. À la one again. Je suis pas chez moi. J'ai utilisé cette palette que j'ai eue dans un swap. La pigmentation pour certains fards sont au top. Les autres, il y en a qui sont pas trop bien. Mais sinon, c'est une bonne palette. C'est Miss Cop. Yes. Miss Copine, la copina, la copine de la Miss Cop et Miss Copine, Miss Cop. Donc, lunettes. Non, c'est pas là que je dois regarder, c'est là. Je vais pas le gaspiller. Hein, parce que le truc, il coûte 40 patates. 40 patates. Bon. Je pense que c'est mon fond de teint que j'ai payé le plus cher. Donc, vous allez me dire si la couleur elle va. Cette vidéo, je vais la faire en mode action-réaction. Et ce soir, je vous dirai si le fond de teint a tenu le coup. Hein. Waterproof, je vais aller plonger dans la mer alors qu'il fait froid. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Ensuite. Le pinceau juste devant vous. Téléphone qui. Hey, pas beaucoup de temps, moi. Je dois partir. Hein. Hey. Ouais, ok. Poudre. Donc maintenant, je vais passer ma poudre dessus. Voilà. Je vais prendre le pinceau sans que ça tombe. Oh merde. Si je prends le pinceau, ça va tomber. Donc je vais garder ce pinceau-là. Qui est un peu plus mou, vous mettez la poudre. Ça prend pas beaucoup de poudre, ça donne pas beaucoup de poudre. Donc voilà, voilà. Donc ça, on va dire que c'est un make-up pour les nuls. Voilà quoi. Allez, c'est bon ou c'est pas bon? Ouais. Donc là voilà, j'ai fini de mettre tout ma poudre. Je vais utiliser le blush de cette palette. Donc, je vous ferai certains make-up ici. On va appeler ça famille recomposée pour le maquillage. Ok, donc je vais prendre celui-là en mode léger. Oula, elle n'est pas légère.
Ce que j'ai plus, je ne m'appelle même plus. Celui-là, je crois. Donc voilà. Quand tu ne sais pas te maquiller, tu ne sais pas te maquiller. Mais il faut apprendre. Hein. On va apprendre un petit peu tous les jours. Hein. Oh my God. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas chanter parce que si vous savez, il fait très beau dehors. Donc, parce que Stéphie Lhotte va pas être contente s'il pleut. Et là, je peux te dire, il fait beau. Ok? Il fait beau dehors, les enfants. Ouais, c'est fini. Hein. Bon, j'ai pas d'highlighter ici. Je vais utiliser ça pour l'highlighter. On va voir ce que ça donne. Pourquoi on fait ça à sa bouche? Qu'est-ce que j'avais pris, Inès? Bon, je sais pas, je ne m'appelle plus. Voilà, voilà. Bon, je vais pas prendre grand-chose. Je ne m'appelle plus, je prends les deux. Voilà, donc c'est fini. C'était pas le but de la vidéo, c'était surtout pour vous montrer le fond de teint. Oh my God. Donc voilà, donc j'ai fini mon maquillage. Je vais passer le rouge à lèvres de NYX que j'ai eu par le swap de... Comment il s'appelle? Beauty by Karine. À chaque fois, il faut que je réfléchisse pour dire le nom. Donc, comment je mets mon rouge? Tu me vois? Je suis un peu nulle. Oh my God! On dirait du violet. Par contre, pour faire le bas, c'est compliqué. Hein. Bon, je pense que ça va. Je vais m'arrêter là parce que j'ai rien pour essuyer. Je vais à Rennes. Donc voilà les enfants, mon petit make-up en mode forever. Donc voilà. Donc avec le fond de teint. Donc voilà, voilà. Donc balade de la journée. Donc voilà, on est sorti de chez Alain Davidson. Alain! C'est quoi on dit? Alain Davidson. Voilà, et le fauteuil est toujours là pour le test. Il doit être, je sais pas, 14-15 heures. Bon, ben à tout à l'heure. Il est quelle heure? Bisous! Donc on est chez Alinéa et le fond de teint n'a toujours pas bougé. Voilà, il est 16h et le fond de teint n'a pas bougé. Donc Stéphanie, t'a vu, il fait beau, il y a beaucoup de soleil. Donc voilà, j'ai envie de chanter Harley Davidson. Donc, je vais essayer, on va voir s'il va pleuvoir. Attends. Harley Davidson. Tan 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 tan. Harley Davidson. Tan 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 tan. Harley Davidson. Allez, bye. On est au McDo. Il est... Lesquels on a, nous? Donc voilà ce que je mange. Un Big Mac. Voilà. Salade. Et l'incontournable Coca. Et je suis en mode toujours Big Mac. Et là, on va voir si à la fin du repas, j'aurai toujours mon rouge à lèvres de chez NYX. Fait mon, je sais pas comment on appelle ça, le encre à lèvres. Allez go, le fond de teint toujours là, comme vous voyez. Bye. Bon, pour les potatoes. Donc le maquillage a bougé un petit peu. Couleur rouge à lèvres de chez NYX. Encre à lèvres.
Oh my god. La glace. Voilà, donc j'ai fini de manger et ça reste, ça donne ça. Donc je vais essayer de faire ça dans le magasin. Oh, arrête de rigoler toi. Donc j'ai déjà raté mon coup. J'ai raté mon coup sous le dessus. Voilà. Et par contre pour le bas, vous savez que le bas j'ai du mal. Hein. Il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il rigole. Voilà. Bien. J'ai tendance à faire le bas à l'envers parce que j'ai dit mal. D'ailleurs, c'est moi. Il m'énerve. Arrête, t'étais trop. Voilà. C'est fini, sinon l'appareil photo, il n'y aura plus de trucs. Allez, donc c'est pour toutes ces vidéos. Il est 17h et le fond de teint est en mode nickel. J'ai fini chez Action avec le même make-up, donc voilà, Action, voilà le magasin. La journée a été longue, donc le fond de teint est toujours là, il est 19h-10 et on est toujours à Rennes. Et on visite les magasins pour chercher. Coucou les filles, les garçons, la lumière est éteinte sur nous. Donc voilà, on est en fin de soirée chez Sephora au Carrefour. Le fond de teint est toujours là. Vous voyez? Donc voilà. La journée est terminée. La journée en mode forever. Le fond de teint est toujours là. À tout à l'heure. 23h. Allez, go. Ça y est, c'est parti. Il est 23h, ok? Donc j'ai passé toute la journée avec le maquillage de waterproof, ok? J'ai cuisiné, j'ai été à Rennes. Maintenant je vais manger du carotte. Ça rend aimable. Est-ce que je suis aimable? Ça marche pas sur moi, mais ça rend aimable normalement qu'on m'a dit, mais ça marche pas sur moi. Les endives sont amères. Donc si tu n'aimes pas les endives, ça te s'abstenir. Le saumon de chez Lidl, elle est magnifique, ok? Magnifique. Donc pour la journée, elle est terminée. Le saumon de la vidéo, je pense qu'elle va être un petit peu long. Donc je voulais tester le make-up forever, le fond de teint. On m'a dit c'est waterproof. Je l'ai gardé toute la journée. Je l'ai payé 40€. Non, pas 40€, moins 25%, ça faisait... Ah mince, attendez, moins 25%, ça faisait 29,90€. Donc pour l'instant, le fond de teint, il est en mode nickel. Donc je l'adore, donc pas de water,
ça bouge pas, tu vois? Est-ce que tu vois la baignoire? Donc il n'y a rien qui sort sur mon visage et pourtant j'ai mon fond de teint sur le visage et de la poudre et il n'y a rien qui sort. En général, quand je fais ça, on va me regarder. Normalement, c'est censé devenir marron quand on passe la main sur le visage. Donc voilà, le test est réussi. Donc c'est un fond de teint qui est pas mal et je vous assure qu'elle est waterproof. Donc c'est tout pour cette vidéo parce que j'ai un petit peu froid.